Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle dégustation ASMR. Je suis parti au McDonald's près de chez moi, celui de Bourgoin, pour aller récupérer un burger jamais goûté. Ça me permet de découvrir de nouvelles saveurs. Oui, je sais, McDonald's n'est pas vraiment une référence. Mais tant que c'est coûtu et que j'en ai pour mon argent, c'est le principal. Je vous présente le Big Tasty. D'ailleurs, quel est l'apport calorique de ce burger? Ah oui, 828 kilocalories. Ça rigole pas avec ce burger. Juste avec ça, vous atteignez la limite d'acide gras saturé. Et c'est même très salé. Je pensais pas que le Big Tasty était aussi gras. Bon, après tout, étant donné que je ne prends pas de frites, de burgers supplémentaires, de glace, ni même de boissons sucrées. Ça compense. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Déjà, on peut voir qu'il est quand même assez massu. Enfin, c'est un gros mastoc. On a de la viande, la tomate, salade et du bacon. Et c'est peut-être le bacon plus le pain qui font que ce burger est assez gras. Eh bien, bon appétit. Ouais, on sent le gras. Ouais, et puis on peut bien se faire plaisir. Mais pas tout le temps. Moi qui pensais que ça allait être 600 kilocalories. Et ben j'en étais loin.
Et vous savez, mon secret, lorsque vous mangez des burgers très gras, c'est de les manger doucement. Afin d'éviter d'avoir cette sensation de faim d'ici une heure ou deux. Et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Et puis cela faisait un bon moment que je vous avais pu proposer une vidéo dégustation McDo. Et bon appétit, bien sûr. J'ai comme l'impression que c'est une espèce de sauce au poivre. Ça se ressent dans le palais. Ouais, bah un conseil. Si vous vous lancez dans un défi, mangez pendant un mois McDo, ne prenez pas que des Big Tasty. Ou alors faites beaucoup de sport en même temps. Je trouve qu'il est bourratif celui-là. Et il donne soif. Celle-là. Donc si je me souviens bien, je suis en train de faire le Big Tasty. J'ai fait le 280 signature Big Mac.
Ça donne soif le bacon. On peut retirer 50 kilocalories. Mais au moins l'avantage. Lorsque vous prenez votre temps, vous n'avez pas envie de dessert ou de manger des frites avec. Oh, je pense que j'aurais pas pu manger les frites. Je fais attention quand même. Mon verre est vide. Je le remplirai après. Bon, finalement, je vous ai plus relaxé, ou je vous ai donné plus faim, ou les deux en même temps. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit.